Coucou, donc du coup ça sera un petit haul vite fait, hein. C'est des petits achats que j'ai fait. Du coup j'ai trouvé ceci à Action la semaine dernière, donc à tester, voir si c'est vraiment aquarelle ou pas. Je vais l'ouvrir avec vous. Comme ceci. Du coup, il y a deux petits pinceaux. Oh, c'est pas les mêmes couleurs, j'ai eu peur. Donc, un crayon papier. Je vais vous faire voir les petits pinceaux. Donc, un pinceau comme ça, réservoir d'eau. Et un petit pinceau comme ça, pas de poils. Après à tester, je verrai, je vous redirai ça. Nous, c'est des belles couleurs. Donc après, on verra. Voilà. Ensuite, du coup, je me suis pris ça, c'est mon premier. Donc, à voir si les traits me gênent pas, je sais pas du tout. J'essayerai, on verra. C'est mon premier trompe-l'œil, donc à voir. Et du coup, je me suis acheté aussi ceci pour mettre dedans. Donc, c'est des porte-revues, comme j'avais dit dans mes anciennes vidéos. C'est pour mettre tous mes coloriages mystères. J'en ai acheté deux. Parce que du coup, j'ai mes anciens mystères à ranger dedans. Comme celui-ci. Et je trouve ça plus. Enfin, mieux. Voilà, comme ça, il y en a pas mal de faits dedans, mais voilà, et à la fin je mets les solutions, donc voilà quoi. Du coup, pour mes livres de coloriage que je découpe, je déchire la première couverture comme ça, je la recoupe comme il faut, et après, comme vous pouvez le voir, il y a des petits triures ici, il y a juste à tirer. Voilà. Il y a juste à les tirer en fait, les petites lignes là. Et du coup, vous avez un bloc qu'on peut, voilà, comme ça. Voilà. Je prends juste la dernière page. Du coup, je tire ça comme ça et je recoupe tout comme il faut pour les ranger dans mes blocs revus. Du coup, je vais faire ça là. Ça va m'occuper, mais je sais pas. Je vais voir si ça me gêne ou pas. J'en ferai un et on verra. En tout cas, c'est mon premier tome 3 de trompe-l'œil. Donc voilà, bisous!